Il y a plein de femmes en ménopause qui ne ressentent rien ou pas grand-chose et ça passe. Plus on va prévenir les femmes que ça va être terrible, plus ça va être terrible. Parce qu'elles ont la moindre insomnie, elles vont vous dire « mais c'est parce que je suis en ménopause ». Mais pas du tout, c'est parce que tu as des soucis. Et que quand on a des soucis, quel que soit l'âge, on dort mal. Et donc, nous avons beaucoup à ouvrir les yeux sur ce qu'on nous bourre le crâne, tu vois. Et c'est ça que je veux dire. Et les jeunes qui lisent ce bouquin vont avoir moins peur de vieillir. Parce que vieillir, c'est pas la fin de la sexualité, c'est pas la fin du monde, tout simplement. On ne devient pas une vieille femme. Là, dans ce livre, Il n'y a pas d'âge pour jouir, j'ai creusé ce qui fait lot commun aux femmes, et pas simplement aux femmes à partir de la cinquantaine, mais à partir de dès que tu es petite fille, où on t'ouvre les yeux sur ce qui serait ton avenir. Hello, c'est Manon de Talk Univers. Exceptionnellement, cet épisode a été enregistré par note vocale interposée. Des petits soucis techniques et des emplois du temps bien remplis nous ont contraints à faire cette conversation en désynchronisé. Mais je crois que la qualité du contenu y est quand même, enfin j'espère. J'espère que cet épisode avec Catherine Grangeard t'intéressera, t'interpellera et que tu pourras partager tes réflexions sur les sujets abordés autour de toi. Catherine Grangeard est psychanalyste, psychologue et psychosociologue. Elle est engagée sur les problèmes de sexisme, de poids, de violence faite aux femmes et de harcèlement. Elle est autrice de plusieurs ouvrages sur l'obésité, d'un roman et de l'essai dont on parle principalement dans cet épisode, Il n'y a pas d'âge pour jouer. Cela faisait longtemps que je voulais parler du double tabou de la vieillesse et de la sexualité. On survole le sujet dans cet épisode, mais ce n'est pas plus mal. On le compare à d'autres problèmes sexistes et à la grossophobie, par exemple. Pour aller plus loin, je te conseille vivement de lire ce livre, et sinon, évidemment, de t'abonner à la newsletter de Talk Univers. Le lien est en description. Tu peux également suivre ce podcast, parce qu'on va évidemment continuer à parler de ce sujet, et de plein d'autres encore, autour de la sexualité, la tech et la politique, comme d'habitude. Bref, bonne écoute. Avant d'être psychanalyste, j'ai eu une autre vie et aujourd'hui, je suis à la fois une femme engagée et professionnellement parlant, je suis psychanalyste, je suis autrice et je participe à un certain nombre d'activités comme aujourd'hui un podcast, vois-tu. Donc, ça veut dire quoi? C'est que la transmission pour moi, c'est hyper important. Je suis arrivée à un âge, à plus de 60 ans, où il y a une réelle urgence à passer. C'est ça la transmission, c'est une passeuse à passer des éléments qui, au fur et à mesure de la vie, se sont accumulés, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure de la vie en général, la vie privée, la vie en général. Voilà, donc sur ma vie privée, j'ai pas hyper envie de m'apesantir. Je crois que je suis le résultat d'une petite fille qui a eu une enfance, d'une ado et d'une femme qui, au fur et à mesure des années, s'est construite un peu comme tout le monde. Et c'est sans doute ça qui me paraît le plus chouette sur quoi insister, c'est-à-dire que au-delà des particularités, des singularités de ma vie, d'une vie, de toute vie, nous retrouvons des points communs qui nous construisent et peut-être si on s'attarde trop aux détails de ce que je pourrais te raconter sur ma vie, on va rater ce collectif sur lequel je crois qu'il faut discuter vraiment, puisque moi, c'est contre des idées reçues que je m'insurge, que je travaille. J'essaie de, dans mon travail de psychanalyste, de libérer des gens d'un programme qui aurait pu être inscrit dès leur enfance. Et dans le fait d'écrire, c'est exactement la même chose. Et là, dans ce livre, Il n'y a pas d'âge pour jouir, j'ai creusé
ce qui fait lot commun aux femmes, et pas simplement aux femmes à partir de la cinquantaine, mais à partir de dès que tu es petite fille, où on t'ouvre les yeux sur ce qui serait ton avenir. Ma deuxième question, avant même de rebondir sur ta présentation, ce serait, peux-tu revenir sur le déclic qui t'a amené à écrire le livre « Il n'y a pas d'âge pour jouir » puisque avant, les sujets de sexualité, de sexualité après 50 ans ou même avant, hein, mais en tout cas de la femme dite ou vue ou ressentie comme vieille, tu étais plus spécialisée dans tout ce qui est obésité, accompagnement des personnes sur le poids, le corps. Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Et voilà, est-ce que le déclic est seulement lié à ce fameux, la phrase de ce super chroniqueur ou aussi de témoignages de tes patientes que tu cites à de nombreuses reprises dans le livre ou les deux en même temps? Ce livre a débuté grâce à Yann Moix. c'est le starter. Évidemment, ça fait plus de 20 ans que je suis psychanalyste. J'ai écouté des femmes, des hommes parler de leur vie sexuelle à longueur de semaine. La grossophobie, quand on y réfléchit, ouvre à toutes les autres idées reçues à l'égard de ce que doivent être les gens en fonction d'un corps. Donc là, l'anti-âge exprimé à l'égard des personnes qui vieillissent, qu'elles soient hommes, femmes, c'est même pas trop. Il y a même une marque. Oui, en effet, ce fameux Yann Moix, justement, je voyais que tu faisais bien attention à ne pas le citer dans le livre. Est-ce que j'ai le droit de le citer ou c'est lui faire trop d'honneur? Ensuite, du coup, par rapport à ce que tu dis là, ce livre finalement ne s'adresserait pas qu'aux femmes de tout âge ou aux femmes de plus de 50 ans. Moi, clairement, à 27 ans, je me suis reconnue dans ce livre et je suis bien contente de le lire aujourd'hui et de peut-être clairement le relire plus tard. Et le transmettre aussi à des amis de tout âge. Est-ce que tu as aussi des hommes, peu importe leur orientation sexuelle aussi, qui ont lu ce livre et ont pu t'en faire des retours, et qu'est-ce qu'ils en ont dit? J'ai relâché parce que j'ai cru que tu intervenais. Bon, désolée. Donc, les hommes, les femmes, du moment qu'ils prennent de l'âge, il y a quelque chose qui est... comme à l'égard des personnes en excès de poids, très négatif. Et c'est ce point commun qui apparaît quand on y réfléchit. Ce point commun montre qu'il y aurait une toute petite catégorie de personnes qui seraient comme il faut. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment en conscience. Parce que si on l'avait bien en conscience, on comprendrait immédiatement que la grande majorité des gens sont en dehors des critères de désirabilité pour lesquels il faudrait en permanence faire des efforts. Et ces efforts sont anti-âge, anti-poids, anti-naturel, anti-évolution de la vie, anti-tout ça. Donc, le fait que haut et fort, il s'exprime des choses comme cela, c'est tellement scandaleux qu'il est nécessaire de s'en saisir. Alors donc, les femmes, après un certain âge, ou parce qu'elles seraient un peu trop grosses, ne seraient pas dans une désirabilité. On ne s'occupe pas de ce qu'elles ressentent, elles. On ne s'occupe pas de comment elles vivent. On s'occupe de ce qu'elles devraient être. C'est la femme objet dans toute sa splendeur. Ou à l'inverse, c'est parce qu'elles ne sont pas considérées comme splendides
vide qu'on pourrait se moquer d'elles, on pourrait les rendre invisibles, on pourrait les exclure. C'est tellement révoltant. Et ce point commun m'a sauté aux yeux et j'ai eu envie à ce moment-là de transmettre ce que j'entends moi, des complexes, des interrogations sur est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui est normal, ce point de vue qui serait celui de la société. Mais je suis même pas sûre au bout du compte que ce serait celui de la société. Là, tout dernièrement, il y a une étude des petits frères des pauvres, je crois, qui montre que les personnes même très âgées ont une vie sexuelle. Majoritairement, les gens ont une vie sexuelle, même pas simplement affective, mais sexuelle. Alors qu'on aurait l'impression que tu as quelques trentenaires qui ont une vie sexuelle, si tu regardes les magazines. Enfin, c'est tout à fait déconnecté de la réalité. C'est une sorte de modèle, modélisant, et c'est cela qui ensuite crée des complexes. Voilà ce contre quoi je lutte. Au démarrage, lors de l'écriture, je m'adressais aux femmes. Je m'adressais aux femmes de la cinquantaine, les ménopausées, celles qui sont mal à l'aise avec le fait de vieillir. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que la façon dont on traite les femmes vieillissantes à partir d'un certain âge, mais je parle souvent d'anti-âge parce que même les très jeunes comme toi ont l'angoisse de vieillir, utilisent ces cosmétiques d'anti-âge et c'est quand même catastrophique. Et les hommes m'ont dit mais vous ne parlez pas de nous, mais est-ce que dans l'hétérosexualité il n'y aurait pourtant pas à en parler? Et peut-être à la suite de ce livre qui est sorti en octobre 2020, il y a eu tellement d'interactions avec des émissions, avec des journalistes de presse écrite ou de web, que aujourd'hui, je peux te dire que ce livre ne s'adresse pas qu'aux femmes, pas qu'aux personnes d'un certain âge, mais vraiment à tout le monde. Parce que la façon dont on traite la sexualité, quel que soit l'âge, est excluante d'un certain nombre de gens. Alors, si je n'ai pas cité Moix dans le bouquin, c'est parce que je n'avais aucune envie de reparler de lui. Maintenant, oui, bien sûr qu'on peut parler, que le citer, que tout ça, ça n'a plus tellement d'importance. Ce livre existe, d'autres livres existent, et on a avancé en 2 ans. Et ça, je suis ravie parce que cette journée internationale de la ménopause, le 18 octobre, aujourd'hui, on commence à bien en parler, alors qu'il y a 2 ans, c'était très confidentiel. Aujourd'hui, on sait bien qu'il n'est plus tabou de parler de sexualité à partir d'un certain âge, qu'il n'est plus tabou de dénoncer tous ces stéréotypes sur la ménopause, parce que c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas obligatoirement avoir toute une série de symptômes. C'est faux. Il y a plein de femmes en ménopause qui ne ressentent rien ou pas grand-chose et ça passe. Plus on va prévenir les femmes que ça va être terrible, plus ça va être terrible, parce qu'elles ont la moindre insomnie, elles vont vous dire « mais c'est parce que je suis en ménopause ». Mais pas du tout, c'est parce que tu as des soucis, et que quand on a des soucis, quel que soit l'âge, on dort mal. Et donc, nous avons beaucoup à ouvrir les yeux sur ce qu'on on nous bourre le crâne, tu vois, et c'est ça que je veux dire. Et les jeunes qui lisent ce bouquin vont avoir moins peur de vieillir, parce que vieillir, c'est pas la fin de la sexualité, c'est pas la fin du monde, tout simplement. On ne devient pas une vieille femme. As-tu réalisé qu'on vit plus de temps sans les règles qu'avec les règles? C'est-à-dire que jusqu'à, je sais pas quoi, 13 ans en moyenne, la fillette n'a pas de règles, et à partir de 50 ans, disons en moyenne, la femme n'a plus de règles. Ce qui veut dire que s'il y a une moyenne d'âge 86 ans, tu vois,
le nombre d'années sans règles. Alors donc, limiter la femme à l'existence avec des règles, c'est stupide. Est-ce qu'une femme, après sa grossesse, pendant sa grossesse, n'est pas une femme? Enfin, c'est quoi tout ça? Et tu vois, quand on ouvre les yeux là-dessus, on se dit « Ah, mais bon Dieu, mais bien sûr !» Oui, donc en fait, le combat que tu mènes contre l'âgisme, contre la grossophobie, contre le sexisme, ça s'applique bien sûr aux femmes, ça s'applique aussi un petit peu aux hommes, peut-être qu'on y reviendra. Mais je me demandais, est-ce que tu aurais une raison, finalement, comment on explique que finalement il n'y ait qu'un seul modèle, disons pour les femmes, un seul modèle de taille mince, un peu taille Barbie, même encore aujourd'hui, alors ça change selon les modes et les époques, mais il y a toujours un peu un modèle similaire, un canon de beauté qui dirige et complexe toutes les autres et qui est mis en avant par les médias, par la mode, par plein d'institutions, et qu'après, toi, psychologue, les autres psychanalystes, tes confrères, consoeurs, doivent ensuite soigner, travailler. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, en tant que professionnelle de la santé psychique, tu pourrais te donner une raison de pourquoi on se fait tant de mal? Je ne sais pas si ma question est très claire. Il y a tellement, tellement de raisons. On va croiser, c'est plurifactoriel, tu sais, comme on dit. Donc, on va croiser un peu les explications. Tu as cité la mode. Il est évident que les couturiers, affament les mannequins pour mettre en valeur des vêtements. Le mannequin, il veut dire à la fois le mannequin en bois, toi, ou en plastique, sur lequel on pose des vêtements pour les coudre ou pour les présenter dans les vitrines, et les mannequins qui défilent. C'est réduire une personne à un faire-valoir. Et les couturiers ne sont pas là pour mettre en valeur les femmes, ce sont les femmes qui mettent en valeur leurs vêtements. C'est quand même monstrueux. Donc, ils ont fait des vêtements pour une taille extrêmement petite. Il y a même une marque qui se vantait il y a quelque temps. Chez nous, vous ne trouverez pas la taille supérieure aux 38. Comme si c'était flatteur. Parce que aussi, dans notre société actuelle, les riches sont minces, les pauvres sont gros. Et on a là quelque chose qui est une autre explication tout ce qui a trait à un type de modèle de beauté de corps. Ensuite, la jeunesse. Ben, la jeunesse, c'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui est éphémère. Lorsque on considère que la beauté est quelque chose qui est très, très limité dans le temps, eh bien, ça permet tout simplement de vendre de l'anti-âge, de vendre des crèmes, de vendre aussi de la chirurgie esthétique. Il y a toute une industrie à la fois dans la minceur et également dans l'anti-âge qui découle de tout cela. Donc, on entretient socialement un modèle qui ne peut pas être celui du grand nombre. On ne peut pas être mince dans cette société qui nous impose en permanence de manger par la publicité. Si la publicité ne donnait pas envie, eh bien, les marques ne consacreraient pas des sommes folles à la publicité, au marketing. C'est antinomique. Pour l'anti-âge, il y a aussi tout simplement quelque chose de beaucoup plus humain. Plus tu vieillis, plus tu te rapproches de la mort. C'est une angoisse, pas une peur, hein, mais une angoisse qui est permanente dans l'humanité. Quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés et depuis toujours. Donc, lutter contre la mort, c'est aussi ne pas regarder la vieillesse. Tu vois que tout ceci se conjugue. Nous avons psychiquement une préférence
pour le début de la vie, pour le bébé, que pour la vieille personne. Pour travailler en EHPAD, il est quasiment impossible de trouver des personnes qui veuillent y aller. Et celles qui y vont, c'est moins souvent par vocation que parce qu'il faut bien gagner son beefsteak. Donc voilà, c'est ce mélange de tout ceci qui rend la désirabilité synonyme de la jeunesse. Tu as rebondi sur du coup l'industrie de la mode et justement c'est une des questions, ça me fait penser à une des questions que je voulais te poser aussi, c'est qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est ces mouvements, surtout de ces deux dernières années, sur ce qu'on appelle le body positivisme, avec des mannequins qui vont être plus en chair, alors plus ou moins naturellement, parce qu'il y en a qui sont plus en chair parce que plus en chair, mais aux bons endroits selon l'industrie de la mode. Qu'est-ce que tu penses de l'avènement des sextoys, de toutes ces industries finalement, après la cosmétique aussi, la mode aussi, mais les industries qui vont emprunter aux idées du féminisme pro-sexe, qui voilà, met en avant la liberté à jouir et à prendre le contrôle de leur corps et de leur sexualité des femmes. Est-ce que ce n'est que de la communication, que du féminisme washing, ou il est possible que certaines marques, peu importe leur domaine d'activité, soient quand même honnêtes dans leurs idées, dans leurs valeurs, et cherchent vraiment à répondre à des besoins pour les femmes? Je pense notamment aussi à des entreprises qui traitent le sujet de la ménopause. Avant, on n'en faisait même pas un sujet. Il y a quand même des femmes qui se plaignent de mal vivre leur ménopause. Alors peut-être qu'elles le vivent mal parce qu'on leur a dit qu'il fallait mal le vivre, d'autres qui le vivent vraiment mal. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que des entreprises prennent le sujet, alors de manière opportuniste ou pas, sur, par exemple, proposer des compléments alimentaires pour soulager certains symptômes de la ménopause? Ou est-ce que ça aussi, c'est juste du bullshit commercial pour toi? Moi, je ne vais jamais être très radicale. Je vais te dire que devenons des consomme-actrices. Il y a des femmes qui ont besoin de prendre des gélules pour aller mieux. Eh bien, qu'elles le fassent, moi, pourquoi pas. D'autres qui ont des symptômes de ménopause très, très dérangeants, que des médecins les accompagnent en leur donnant des traitements, mais bien évidemment aussi, enfin, on ne va pas non plus être des ayatollahs, c'est horrible, ce n'est pas du tout mon propos, ce n'est pas du tout ma façon de voir l'existence. Les sex toys, mais c'est pareil, il y a des femmes qui, des couples qui en jouent, qui se les approprient à leur rythme, parfait, c'est formidable. Mais si c'est une injonction, ça ne va pas du tout. Que certaines se trouvent anormales de ne pas apprécier des sex toys, au secours. Non, tu vois, si ça devient une nouvelle obligation, parce que c'est ça, être une femme libérée, non, mais ça va pas du tout, du tout. Donc, moi, je crois qu'on a chacune et besoin de s'approprier. Tu vois, dans mon bouquin, je parle de différentes personnes, de différentes femmes qui ont, et hommes aussi d'ailleurs, quelques-uns, une majorité de femmes, qui racontent des choses sur elles, parce que en partant de chacune d'entre nous, on avance. C'est pas ressembler à ce qu'une époque voudrait que la femme de 50, de 60 soit. Non, pas du tout. Nous avons des opportunités, on s'en saisit. Après, tous ces mouvements de body positive, il y en a qui sont formidables, et il y en a d'autres qui ont pris le train en marche, et c'est du bashing, bien sûr.
sûr, il y en a qui prennent le train en marche parce que ça permet de vendre des produits. Il y a des Instagrammeuses qui sont des influenceurs d'opinion, et moi, j'en connais quelques-unes hyper sincères et très chouettes, et d'autres, c'est un vrai scandale. Tu vois, on ne peut pas dire tous les machins sont... Voilà, moi j'ai horreur de tous les machins, le nous, le eux. C'est très... c'est du racisme, c'est du sexisme, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt, et voire même qui est catastrophique. En revanche, que toute forme d'âge, de corps ait droit à la jouissance, oui, bien sûr, la jouissance sous toutes ses formes, par exemple sexuelle, pas uniquement sexuelle, qu'il y ait plusieurs modèles pour être bien dans sa peau et dans sa vie, c'est ça qui compte, en partant de l'histoire de chacun et chacune, parce que c'est une histoire avec laquelle on a à faire, avec laquelle on a à se libérer, s'exonérer d'un certain nombre de poids. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant. Nous sommes avec des possibilités. Après, on en développe plus ou moins en fonction des opportunités de nos vies, des soucis qu'on a et des rencontres. Même la rencontre d'un podcast, d'un livre qui ouvre le chemin vers d'autres rencontres. Enfin, et dernière question, parce que je vois l'heure tourner, pour faire un focus un peu plus quand même sur la sexualité, puisque c'est quand même le sujet principal en général de mon podcast et de ton livre aussi, donc il n'y a pas d'âge pour jouir. C'est vrai que tu marques un point énorme que je n'avais pas... Enfin, on ne me l'a jamais dit comme ça, qu'aujourd'hui, on vit plus de temps sans les règles qu'avec les règles. Est-ce que du coup, c'est la raison... Ce serait la raison pour laquelle on s'intéresserait ou on se désintéresserait de la sexualité post-ménopause. Pourquoi on se focus autant sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a vraiment un avant-après si important avant et après la ménopause sur notre sexualité en tant que femme? Parce que si tu me dis que parfois ça change pas grand-chose, en tout cas en termes de symptômes pour les femmes, peut-être que en termes de sexualité aussi ça change pas grand-chose, ou du moins ça change petit à petit, d'année en année, de la même manière que peut-être que voilà, on ne fait plus l'amour de la même manière entre 20 et 25 ans, parce qu'on a eu plein d'expériences entre les deux, ou entre avant et après une grossesse, ou entre deux partenaires. Est-ce que finalement, le avant-après-ménopause serait aussi parfois infondé? Alors là, tu me fais très très plaisir, parce qu'il y a deux grandes lignes qu'on va traiter avec ta question. Première grande ligne, la sexualité égale la fécondité. C'est-à-dire, même si on ne fait pas des enfants à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, il y aurait une idée tellement reçue que c'est pendant la fécondité que les gens font l'amour. Bah, au secours, enfin, c'est tellement stupide. Donc ça, c'est la première des choses, et on va s'interroger sur n'est-ce pas quelque chose qui vient de la nuit des temps. Il faut avoir des rapports sexuels utiles, et en dehors, la chair serait coupable. Bon, voilà, donc ça, c'est vraiment toute une piste. La deuxième chose, bah, bien évidemment, que d'année en année, entre le début de la vie sexuelle et la fin de la vie sexuelle, il y a des évolutions. Non, il n'y a pas, au moment de la ménopause, tout d'un coup, un jour, tu te réveilles autrement. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Après, qu'il y ait chez certaines, par exemple, un manque de lubrification, la cyprine serait plus longue à être produite, c'est possible. Mais moi, je vais te dire, pas seulement. Il y a plein de personnes qui racontent dans le secret des cabinets de psychanalystes qu'elles ne font plus l'amour. Et pourquoi ? Elles se sont connues à, je ne sais pas quoi, 20 ans. Ça fait 15 ans qu'elles sont ensemble. Elles ont donc à peu près 35 ans. Et elles s'ennuient. Et le couple bat de l'aile. Et c'est pour ça que les gens ne font plus l'amour. Alors, les divorces, ça s'explique enfin quand même. Alors,
On ne peut pas dire que c'est la ménopause qui introduit le fait qu'on ne fait plus l'amour. C'est le fait qu'on peut s'ennuyer en couple. Alors, si on est très, 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 très longtemps en couple, il va effectivement falloir se renouveler. Mais il y a quand même beaucoup de divorces, donc il y a pas tant de couples qui restent de 20 ans à 90 ans ensemble. On appelle les divorces gris, les divorces à la ménopause. Et c'est souvent les femmes qui les initient parce que les grands-enfants sont partis. Voilà, ça y est, on n'a plus trop de raisons d'être ensemble. Et là, elles s'autorisent à rompre la famille et à avoir une nouvelle vie. D'ailleurs, la plupart, elles ne veulent plus faire maison commune, elles en ont marre. Alors tout ça, c'est hyper intéressant, mais elles veulent des liaisons amoureuses. Alors là, il y a un vrai problème qui se pose, un énorme problème, c'est qu'elles le veulent, mais elles ne trouvent pas aussi souvent des partenaires que les hommes, parce que les hommes vont taper vers les jeunes femmes, et ça paraît à peu près normal, encore de nos jours, surtout s'ils sont bien riches, et les femmes, elles ont beaucoup plus de mal à avoir des partenaires plus jeunes. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment encore dans les mœurs. Bon, eh bien, on va faire évoluer tout ça parce que, au fond, on n'a pas encore parlé des difficultés d'érection des hommes à partir de la quarantaine. Hein, c'est très, très jeune, très, très jeune. Alors que les femmes, elles n'ont pas vraiment cette date de préemption, alors qu'on en parle tellement et tellement. Tout ça, c'est du sexisme. C'est du sexisme et on peut se dire que le slow sex, c'est vraiment quelque chose qui est adapté aux personnes qui prennent de l'âge. Or, comme on va vivre de plus en plus longtemps, on ne va quand même pas condamner les gens à vivre à moitié. On doit le dire dans ton podcast que la santé sexuelle, ça fait partie de la santé tout court, qu'elle soit morale, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. Donc, forcément, la vie sexuelle va évoluer et la vie à partir de la cinquantaine ne va pas s'arrêter pour les femmes, sexuellement parlant, parce qu'elles ont encore, je ne sais pas, elles vivent jusqu'à 86 ans à peu près. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.